Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous l'ai dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ces jours et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils. Même seulement le Père. Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom Aleichem. C'est vrai, les lectures de ces derniers jours, parce que nous sommes à la fin de l'année liturgique B, ces lectures nous parlent toujours des discours eschatologiques, des discours eschatologiques, c'est-à-dire des discours de la fin des temps, ou autrement on peut dire la fin du monde. Mais utilisons l'expression « la fin des temps ». Et ce qui est intéressant, Jésus nous parle lui-même quand cela va arriver. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Essayons un peu de situer, contextualiser les textes. Jésus est à Jérusalem. Il est à Jérusalem, plus particulièrement, il est au temple. N'oublions pas, le temple était restauré quelques années avant. Donc, le temple brillait, le temple avait des pierres qui brillaient. Tout le monde venait admirer ce temple-là. Oh, comme c'est joli ce temple! Mais Jésus a dit à ses apôtres, ah, vous admirez ces pierres du temple, mais les jours viendront où il ne restera plus pierre sur pierre. Tout cela sera détruit. Là, Jésus dit ça quand ils étaient au temple. Et maintenant, ils sortent du temple, Jésus avec ses apôtres. Ils sortent du temple. Jésus est allé au mont des Oliviers. N'oublions pas, le temple est au mont Sion. Mont Sion et mont des Oliviers sont séparés par la vallée de Cédron. Donc, Jésus est allé au mont des Oliviers en descendant, bien sûr, par la vallée de Cédron pour aller monter au mont des Oliviers. Et Jésus, une fois au mont des Oliviers, il regarde le temple en face. Et en regardant le temple en face, ils admirent encore le temple, mais des monts des Oliviers. Et c'est là, Pierre, Jacques, Jean et André demande au Seigneur, mais quand cela arrivera-t-il? Ce que Jésus venait de dire, un temps viendra où il ne restera plus pierre sur pierre. Et il demande, les quatre apôtres demandent, quand cela arrivera-t-il? D'où l'évangile d'aujourd'hui. Il y aura les bouleversements cosmiques à la fin du monde. Quand vous verrez par-ci, par-là, et voilà, tout cela quand ça va arriver, et voilà, il faut savoir que le temps est proche. Et cela, chers frères et sœurs, nous ramène à la première lecture qui est tirée du livre de Daniel. Cela nous ramène dans ce livre vers les années moins 167 à moins 164. À cette époque-là, les Juifs étaient persécutés par d'autres nations. Et comme les Juifs étaient persécutés par d'autres nations, les Juifs qui ne croyaient pas à la résurrection, avant cette époque-là, ils ont commencé à parler de la mort et de la résurrection après. Et les messages éclairent, les messages nous ramènent, cela nous ramène dans ces messages de l'évangile d'aujourd'hui, ces messages qui est
clair. Jésus, c'est le Fils de l'homme qui va nous dire les livres de Daniel. Mais c'est ce Fils de l'homme-là qui parle aujourd'hui de ses discours eschatologiques. Depuis sa mort, alors quand cela arrivera-t-il? Voilà la réponse, chers frères et sœurs. Depuis la mort de Jésus, depuis sa mort et sa résurrection, les derniers temps sont commencés. C'est déjà là. On ne fait plus attendre. Depuis sa mort et sa résurrection, nous sommes déjà dans ces derniers temps. Le combat suprême ne se livre plus entre nations, comme c'était à l'époque de Daniel, et comme c'était même à l'époque de Jésus. C'est fini ce combat-là. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Ce combat, ça sera entre les puissances du mal et l'Église. Les puissances du mal et l'Église. Et d'ailleurs, si nous allons même au 19e siècle, le pape Pie IX, dans sa vision, avant de composer la prière de Saint-Michel-Archange, c'était ce combat-là entre la force du mal et l'Église qui voulait détruire l'Église. Voilà, c'est pour ça qu'il a composé cette fameuse prière à Saint-Michel. Et même les apparitions de Fatima, la Vierge Marie, en apparaissant à ces filles-là, a bien dit « l'Église est en train d'être combattue par les forces négatives ». Donc, l'Église est déjà, depuis la résurrection du Christ, dans ces combats-là. Alors, chers frères et sœurs, inutile de guetter la fin du monde, que ça y est là, ça arrivera là. Non, nous sommes déjà dans ces combats-là. Il faut reconnaître chaque jour les signes humbles, mais réels du printemps pascal, du monde nouveau. Il faut reconnaître cela, ces figuiers-là qui donnent déjà des fleurs pour annoncer ces printemps-là. Il faut les reconnaître dans les réalités de chaque jour. Alors, chers frères et sœurs, un chrétien ne doit pas se préoccuper quand sera la fin du monde. Oh non, ça devait se passer à l'an 2000, ça sera à l'an 2030 ou l'an 2000. Non, un chrétien ne se préoccupe pas quand sera la fin du monde. Mais plutôt, un chrétien doit se poser la question, suis-je prêt? Ah bon, c'est ça la véritable question qu'un chrétien doit se poser, mais pas quand sera la fin du monde. Les temps de Dieu, chers frères et sœurs, les temps de la Bible, nous en avons deux, Chronos et Kairos. Chronos, c'est le temps qu'on a, je vois le temps, l'heure, ça c'est Chronos. Mais les temps de la Bible, c'est Kairos, un temps opportun qui appartient à Dieu. Alors, quand cela arrivera-t-il? Parce que maintenant, avec les réchauffements climatiques, on a des catastrophes, catastrophes par-ci, par-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du temps? Mais non, chers frères et sœurs, la fin du temps, ce n'est pas ça notre préoccupation. Mais moi, comme chrétien, la seule question que je peux me poser, suis-je prêt? Suis-je prêt, moi, quand ce jour-là arrivera? Est-ce que je peux dire, Seigneur, je suis prêt? Alors, chers frères et sœurs, préparons-nous toujours, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure, mais un jour, il viendra, le Seigneur, notre Dieu.